Du meurtre sort de l'ombre. Un messager annonce à Oedipe la mort de Polybe et lui révèle qu'il n'était que son fils adoptif. Jocaste comprend. Elle tente de tirer Oedipe en arrière. Elle se sauve. Oedipe la croit honteuse d'être une femme de parvenue. C'est Oedipe si fier de deviner tout. Il est dans le piège. Il est le seul à ne pas s'en apercevoir. La vérité le frappe sur la tête. Il tombe de haut. Parvulum, parvulum, Oedipoda, in monte delle
Restituri, restituri, qui sedipus, quinus edipodis sciam, sciam. Fudet, Jocastam fugit, fudet, fudet, edipi exodis, fudet edipodis generis, sciam, sciam, edipodis, edipodis genus, sciam, sciam, edipodis genus, genus meum, sciam. Nome monstrum restituri, genus edipodis sciam, genus exulis meri. Ego exul, exult. Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre « La tête divine de Jocaste est morte ». Monologue où le messager raconte la fin de Jocaste. Il peut à peine ouvrir la bouche. Le cœur emprunte son rôle et l'aide à dire comment la reine s'est pendue et comment Oedipe s'est crevé les yeux avec son agrafe d'or. Ensuite, c'est l'épilogue. Le roi est pris. Il veut se montrer à tous. Montrer la bête immonde, l'inceste, le parricide, le fou. On le chasse avec